Nathalie Marquet a réagi à un reportage sur les seniors au travail dans C'est que de la télé, sur C8. L'actrice a pris la défense de son mari Jean-Pierre Pernaut, 68 ans. Jean-Pierre Pernaut a pris sa place sur le siège du présentateur du JT de TF1, invité dans l'émission C'est que de la télé, sur C8, sa femme Nathalie Marquet a pris sa défense. Valérie Benaïm présentait jeudi 21 février un reportage sur les seniors actifs et les risques encourus. Ce qui a fait réagir Nathalie Marquet, qui a pris l'exemple du journaliste du JT de 13h. Mon mari approche des 70 ans, note de la rédaction, il a 68 ans, il est apte à travailler et il est en pleine forme, a-t-elle plaidé. Le présentateur s'est battu contre un cancer de la prostate l'automne dernier. Après 7 semaines de convalescence, Jean-Pierre Pernaut avait fait son grand retour sur Terre. Votre mari a un travail qui le passionne. Ce n'est pas le cas de certains retraités qui auraient aimé passer une retraite et utiliser le temps libre qu'ils n'ont pas eu peut-être à l'usine ou autre, a rétorqué Valérie Benaïm. Et il semble que certains estiment que Jean-Pierre Pernaut devrait céder sa place. C'est le cas de Caroline Turbide. Je me demande s'il ne devrait pas, quand même, laisser la place aux plus jeunes. Une option qui n'a pas l'air de trop plaire à Nathalie Marquet. Ah non, j'ai envie d'être tranquille à la maison, s'est-elle exclamée, avec humour.